OK. Oui, je suis en mou. Je suis un peu maquillée au moins, mais c'est dimanche. Fait que, je sais pas pour vous, mais moi, les dimanches, je fous rien. Je suis en pyjama, puis je fais du ménage. Fait que... Mais j'ai quand même décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que, premièrement, ben, je me suis mal prise dans mon temps. Puis, ben, c'était aujourd'hui que je le filmais ou demain. Fait que vous auriez eu juste une vidéo mardi. Et aussi parce que c'est un sujet d'actualité en ce moment. Je voulais parler d'un truc paranormal. Puis finalement, encore là, je l'ai annulé. Ben, je l'ai transféré pour une autre date. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé, la maison d'horreur en Californie. Puis j'étais là, tu sais, il n'y a aucune information, je ne pourrais pas faire une vidéo d'une quinzaine de minutes là-dessus. Mais non, en fait, j'ai comme quand même 3 pages de contenu. Puis, ben, éventuellement, je pourrais faire une partie 2, partie 3 sur cette vidéo parce qu'on va en apprendre plus à travers les mois et les années. Restez là. Aujourd'hui, je vais vous parler de David et Louise Turpin, donc un couple de deux parents qui ont été accusés la semaine passée d'avoir maltraité leurs 13 enfants pendant plusieurs années. Et je vais vous parler un peu des parents et comment on s'est rendu compte de cette maison d'horreur. Donc, on a David Turpin qui a 57 ans et sa femme Louise Turpin de 49 ans. Et le couple vivait dans une maison de Los Angeles. C'était vraiment un beau voisinage. La maison était très grande. Une belle maison, c'est surprenant. Donc, étonnamment, David Turpin, c'était un ingénieur, donc il avait vraiment des bons emplois dans des bonnes firmes, jusqu'à ce qu'il déclare faillite en 2011. Et ben, il a fait plusieurs autres faillites, j'ai lu en 1992 et en 1999. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un, je pense, qui sait pas gérer son argent très bien. Donc, on pourrait penser qu'il est impulsif ou ben, il fait des dépenses impulsives. Mais aussi, d'un autre côté, il a 13 enfants, donc ça doit être assez difficile de gérer, d'élever 13 enfants. C'est vraiment beaucoup. Donc, ça fait 30 ans qu'il est marié avec Louise Turpin, sa femme. Ils se sont rencontrés quand Louise avait 22 ans, lui avait 30 ans. Et elle est tout de suite devenue femme au foyer. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est un couple très, très chrétien. Je crois que pour David Turpin, c'est important que sa femme soit au foyer à s'occuper de leurs enfants. Je pense que dans la première année du mariage, ils ont eu tout de suite leur premier enfant. Donc, ça s'est s'est déroulé assez vite. Comme je dis, c'est un couple tellement chrétien, ils ont toujours voulu une énorme famille parce que pour eux, pour une bonne famille chrétienne, doit avoir beaucoup, beaucoup d'enfants. Je m'imagine qu'ils ne croient pas à la contraception. Ils ont toujours vécu au Texas toute leur vie jusqu'en 2010, qu'ils ont déménagé en Californie. Ben, c'est ça, ils ont déménagé en Californie et ils vivaient dans la maison qu'on a vue aux nouvelles. Il paraît que les fois qu'ils ont déménagé au Texas, ils laissaient leur maison dans un état lamentable. Les propriétaires des maisons qu'ils louaient n'en revenaient pas. Il y a des photos qui avaient été prises à l'époque qu'on a pu avoir accès aujourd'hui parce que c'était fou comment leur maison était dégueulasse. Il y avait des griffures sur les portes de la maison. Et en fait, les propriétaires disaient, bon, ben, ils ont eu des animaux, des chiens, des chats. J'imagine, c'est pour ça qu'il y a autant de graphiques, des scratch marks sur les portes. Mais non, on a appris qu'ils n'ont jamais eu d'animaux. Fait qu'on peut croire que c'était les enfants, peut-être, qui étaient maltraités et qui griffaient les portes. C'est vraiment, vraiment triste. Les tapis étaient dégueulasses, tout sales. Pleine de grosses taches. Aussi, ils ont remarqué que dans les garde-robes, il y avait comme une bouche d'évacuation pour que l'air passe. Et les propriétaires, aujourd'hui, ils pensent que peut-être qu'à l'époque, ils mettaient leurs enfants dans les garde-robes, ils les enfermaient là, comme des cages. Et c'est pour ça qu'ils laissaient un petit trou pour laisser passer l'air. Parce que la maison venait pas avec des bouches d'évacuation dans les garde-robes. Fait qu'on pense que c'est peut-être eux qui les auraient fait installer, ce qui est horrible. Et aussi, quand les Turpins ont laissé la maison et les propriétaires, bon, ils retournaient dans leur maison, il y avait des déchets partout, partout, partout. C'était fou. Il paraît que c'était difficile de passer entre les pièces, de marcher sur le plancher parce que c'était plein de déchets, ça sentait mauvais. Fait que c'était vraiment... Ils prenaient pas soin de leur maison. Et bon, ben, à 13 enfants, surtout s'ils les maltraitaient, ça peut donner une petite image de qui étaient David et Louise Turpin. On dit que David Turpin, il était vraiment très contrôlant avec sa femme.
qui, lui était plus vieux qu'elle. J'imagine que on dit qu'elle avait peut-être cherché une figure paternelle en David qui était très contrôlant parce qu'elle aussi, elle-même avait eu une enfance difficile. Elle s'est faite abuser. Aussi, j'ai lu que la sœur de Louise Turpin disait qu'à plusieurs reprises, ils ont vu leur propre mère se faire violer, se faire battre. Donc, ils n'ont pas eu une enfance rose. Ça peut nous laisser comprendre, essayer de comprendre un peu pourquoi elle aurait maltraité ses enfants de cette façon-là. Ça n'excuse rien, mais quand tu pars avec un mauvais bagage, c'est difficile de vivre une vie normale. On voit bien que David et Louise Turpin, c'était des gens très, très problématiques. Et en 2010, ils sont déménagés en Californie. Et en 2011, ils ont enregistré leur maison comme une école privée, officiellement là, au ministère de l'Éducation de la Californie. Leur maison, c'était une école privée. Donc, leurs 13 enfants étaient homeschool, donc allaient à l'école à la maison. David Turpin, c'était le principal de l'école, le directeur. Et il y a même 6 élèves extérieurs, donc qui ne faisaient pas partie de la famille, qui étudiaient dans cette école privée-là. Mais ce qui est plus horrible dans cette histoire-là, c'est que l'école privée, la maison, avait jamais, en 7 ans, été visitée par le ministère de l'Éducation, par le gouvernement. Donc, c'était une école privée où les enfants étaient maltraités. J'imagine que les 6 enfants extérieurs, non, mais je comprends pas qu'il n'y avait pas de suivi. Parce qu'il paraît que la maison était dégueulasse quand les policiers sont entrés là. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais ça se peut pas. Là. Cette école-là n'a jamais été suivie. Puis j'ai lu un peu que c'est des lois aux États-Unis qui sont vraiment mal faites parce qu'il paraît que les écoles privées sont comme à l'extérieur. Ils n'ont pas de visite obligatoire. Fait qu'ils sont comme dans un état à part. Puis souvent, les écoles privées, c'est financé par les parents. Donc, je sais pas, il échappe comme aux règles de l'éducation, je sais pas, mais ça, je pense que c'est une des pires affaires dans cette histoire-là, c'est que ça aurait très, très bien pu être évité, mais malheureusement, à cause qu'il n'y a pas eu de visite du gouvernement, jamais, les 13 enfants ont vécu dans ce calvaire-là toute leur vie. Mais c'est dimanche passé que vraiment toute leur vie a basculé pour le mieux. On n'a pas le nom des enfants, mais une des filles de 17 ans, ça faisait 2 ans qu'elle planifiait son plan d'évacuation, son plan de fuite, si on veut. Et le dimanche, c'est aujourd'hui que ça se passe. Elle avait réussi à voler un téléphone portable dans la maison. Je sais pas c'était de qui. J'imagine que c'était un téléphone des parents, mais je sais pas comment ils ont fait pour pas s'en rendre compte. Bref, elle a pris le téléphone et elle s'enfuit par la fenêtre. Un des autres enfants, j'ai lu qu'il s'était enfui avec elle, mais qu'en sortant de la fenêtre, il a eu peur, fait qu'il était retourné à la maison. Elle a continué. Elle a appelé la police. Et la police s'est rendue sur les lieux pour la secourir. Quand ils l'ont vue, ils ont pensé qu'elle avait 10 ans, tellement qu'elle était maigre, pâle, frêle, mais non, elle a 17 ans. Et quand ils sont entrés, ils ont vraiment eu le choc de leur vie. Ils n'avaient jamais vu ça. Tous les enfants étaient enchaînés à leur lit avec des chaînes, des cadenas. Ça sentait vraiment mauvais dans la maison, même que les parents, Louise et David, ont dû comme aider les policiers à secourir les enfants parce que les cadenas étaient fermés à clé. Bon, il y avait 13 enfants entre 2 et 29 ans et les policiers pensaient qu'ils avaient tous comme 10-12 ans, les enfants, parce qu'ils étaient tellement maigres. Mais non, à cause de leur malnutrition, ils ont juste pas grandi d'une manière appropriée. Et non, c'était fou, là. Ils pensaient qu'ils étaient tous mineurs, mais 7 des 13 enfants sont majeurs. Ils ont en haut de 18 ans. Une petite fille de 12 ans qui avait l'air de 7 ans. La plus vieille, la fille de 29 ans, pesait 37 kilos, 82 livres. OK, ça, c'est maigre, genre maigre, tu vas mourir, là. OK, c'est vraiment mal nourri. C'est fou. Il y avait des problèmes au niveau cognitif, des problèmes de croissance. Tous leurs muscles, leurs nerfs étaient en train de se défaire. Comment les enfants ont raconté ça, c'est qu'au début, les parents les négligeaient, donc c'était de la négligence. Et avec le temps, les parents ont très vite perdu le contrôle, donc ça a commencé avec de la négligence. Et après, il y avait des punitions assez longues. Ensuite, ils ont battu leurs enfants, ils les ont étranglés, ils ont arrêté de les nourrir. Donc, ils étaient nourris très rarement, sauf le bébé de 2 ans que lui, j'ai entendu dire qu'il était très bien nourri, qu'il n'y avait pas de problème, mais tout le reste des enfants,
Ben justement, là, ils mangeaient presque jamais. J'ai lu dans un article, selon un psychologue, qui pense qu'au départ, les parents, ils avaient des problèmes financiers. Fait qu'ils ont commencé à couper un peu partout, genre dire, faut pas se laver aussi longtemps sous la douche, faut pas manger des grosses portions, je sais pas. Et il a commencé à couper un peu partout dans les dépenses et c'est très vite devenu maladif que les parents, ils se rendaient plus compte que ce qu'ils faisaient, c'était inhumain. Selon le psychologue, c'est vraiment juste que ça... Toute la situation s'est aggravée. Et comme j'ai dit, les policiers, quand ils sont entrés, ça sentait tellement mauvais parce que les enfants étaient enchaînés des fois pendant plusieurs semaines. Des fois, ça allait jusqu'à des mois à être enchaînés sans être libérés. Fait que pensez à ça. Premièrement, t'es un mois sans bouger de ton lit. Il y a des plaies de lit qui se forment. Tes muscles, t'as plus de muscles, là, tu bouges pas pendant un mois, là, puis tu te fais pas bouger. En tout cas, je sais pas, je suis pas une experte, mais il était enchaîné et les parents les libéraient même pas pour aller aux toilettes. Okay? Fait que la pièce, les chambres étaient remplies d'urine et de merde. Okay? Les enfants se déféquaient sur eux, okay, parce qu'ils pouvaient pas se lever de leur lit. C'était vraiment une situation... C'était l'enfer. Les parents laissaient leurs enfants se laver juste une fois par année, OK? Une fois par année, c'est fou! Quand ils se lavaient les mains, si les parents se rendaient compte qu'ils se lavaient les mains en haut des poignets, ils étaient punis. Il n'y avait pas de si gros problèmes financiers que ça. Pensez à ça. Les parents sont allés renouveler leurs vœux à Las Vegas, sont allés à Walt Disney. Fait que, tu sais, ils n'étaient pas si dans la misère que ça pour affamer leur enfant. He loves you so. Love her tender, love him true. All my dreams fulfilled for my darling. Today, David placed the ring upon Louise's ring finger. Yeah, you can say that again. For I came. By the ring around your neck. Ah, well, they say that going steady is not the proper thing. They say that we're too young to know the meaning of a ring. And let them know by the ring around your neck. Oh, say yeah. 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 Over here. Yeah, right there. Yeah. 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 Ladies and gentlemen, thank you so very, very much. Elvis has left the building. Will. Son, come here. My birthday buddy. Will. Say Elvis has left the building. Elvis has left the building. Yes. Thank you. Les parents mangeaient très bien. Ils achetaient des grosses tartes aux pommes, des grosses tartes super bonnes. Ils les laissaient sur le comptoir et ils interdisaient leurs enfants d'y toucher. Fait que les enfants voyaient comme une bonne tarte qui restait là sur le comptoir. Personne n'avait le droit d'y toucher. Alors qu'eux, ils se mouraient de faim, littéralement. Aucun des 13 enfants n'avait jamais été chez le dentiste. Je pense qu'il consultait le docteur une fois aux 5 ans ou quelque chose comme ça. Il savait pas c'était quoi une pilule, un cachet ou un médicament. Il savait pas ce que ça voulait dire. Il savait pas non plus ce qu'était un policier. Parce que leurs parents, au final, ils laissaient pas regarder la TV. Ils laissaient pas avoir d'amis à l'extérieur des 13 enfants. Ils laissaient pas sortir dehors. Ils laissaient pas lire un livre. Fait que les enfants sont vraiment... ils ont aucune culture comme générale. Ouais, ils savent pas vivre en société parce qu'ils sont jamais presque sortis dehors. Et tu te dis pourquoi les voisins ou les membres de la famille se sont jamais rendus compte de ça. Je sais que la grand-mère, je pense qu'elle était déjà allée passer 5 jours dans cette maison-là, mais elle s'était rendue compte de rien parce que sûrement que les parents ont tout nettoyé la maison avant de l'arrivée de la grand-mère. Ils ont dit aux enfants, vous devez vous porter normal.
Ils ont mangé normalement, fait que les parents, comme, savaient bien cacher toute cette situation-là, mais les voisins se disaient quand même, c'est vrai qu'ils étaient bizarres, parce que, par exemple, ils agissaient comme un clan, une secte, ils étaient très, très renfermés. Les enfants n'avaient pas le droit de dire leur nom aux voisins quand ils leur demandaient « comment tu t'appelles? » Aussi, tu sais, sont 13 enfants, tu t'attends à ce qu'ils jouent dehors, sur le terrain. Jamais, jamais les enfants sortaient dehors. Et bien, c'est ça, les parents n'avaient jamais de visite de membres de la famille, d'amis, ni rien. Fait que c'est assez étrange. En ce moment, comme je dis, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on peut penser que les enfants n'avaient pas de nom. Moi, en tout cas, je suis pas sûre de ça, mais bon, les enfants n'avaient pas le droit de dire leur nom. Les parents, ils disaient toujours à leurs enfants, tu sais, comme dans Dr. Seuss, Thing 1, Thing 2, Thing 3. Bon, les enfants avaient tout un t-shirt qui disait Thing 3, Thing 7. Puis ça, c'était leur âge qui venait sur le t-shirt. Et les parents parlaient d'eux, pas par leur nom, mais par leur numéro. Ah, numéro 12, numéro 13, à cause de leur âge. Fait que ça se pourrait qu'ils n'avaient même pas de nom, ou peut-être que les enfants ne savaient même pas leur nom. Mais ça, on ne sait pas encore. Là. C'est vraiment juste des spéculations. Mais c'est vraiment horrible. Pour l'instant, on ne pense pas qu'il y ait eu d'abus sexuels. Et ça, le temps va nous le dire. Mais pour l'instant, on pense qu'heureusement, il n'y aurait pas eu d'abus sexuels de la part des parents. Mais ils ont retrouvé des centaines de journaux intimes des enfants qu'ils avaient le droit d'écrire dans leur journal intime. Fait que ça peut vraiment servir de preuve en cours. Évidemment, on n'a pas accès aux journaux qui sont en ce moment tous décortiqués, lus, parce que comme j'ai dit, ça peut servir de preuve. Fait que j'imagine que les journaux, les témoignages des enfants, ça va prendre plusieurs années avant qu'on y ait accès, si jamais on y a accès un jour. Mais si on s'en sait plus sur le sujet, c'est sûr que je vais faire une autre vidéo. En ce moment, les enfants sont en sécurité, sont à l'hôpital, ils se font injecter des antibiotiques, des vitamines par intraveineuse. Ils sont dans un état assez grave, mais ils vont tous survivre. Les parents ont été chargés pour torture, abus d'enfants et négligence. Ils devraient être condamnés en prison à vie. Les deux, ils ont plaidé non coupable. Je comprends pas c'est quoi leur tactique de leur avocat, mais ils ont plaider non coupable, en tout cas. Il y a quelque chose de bizarre, c'est le père, il a été accusé de lewd act sur un mineur, donc acte obscène ou geste obscène sur un mineur. Souvent, ça peut nous laisser croire qu'il y a eu une sorte d'abus sexuel ou quelque chose comme ça, mais on ne sait pas encore en quoi ça consiste. J'ai lu sur Internet, dans les forums, il y en a beaucoup qui pensent que, vu que la mère avait 49 ans, elle aurait eu son enfant de 2 ans à 47 ans, ce qui est quand même vieux pour, mais on ne sait pas, peut-être qu'elle n'était pas encore ménopausée, peut-être qu'elle peut avoir un enfant puis ça a bien fonctionné. Mais il y en a qui pensent que l'enfant de 2 ans, ça sera peut-être de l'une des filles, par exemple celle de 29 ans, pour ça qu'il y aurait des lewd act accusations. Ça, on ne sait pas encore si c'est juste des spéculations. Je pense pas que les filles aient pu concevoir un enfant parce que j'imagine qu'ils n'ont pas de menstruation, parce que quand t'es maigre comme ça, t'arrêtes d'avoir des menstruations, des règles. Donc je pense pas qu'ils aient pu avoir un enfant. Fait que d'après moi, le bébé est de la mère, mais ça on sait pas encore, c'est vraiment juste des spéculations. Donc c'est tout pour l'histoire des Turpins. On va en apprendre plus éventuellement sur le sujet. S'il y a beaucoup plus d'informations qui sortent, on pourrait faire une partie 2 à cette histoire. Je suis pas fan de faire des parties 1, partie 2, mais des fois, c'est nécessaire. Ce qui me rend plus triste dans tout ça, c'est que la vie de... Tu sais, tous les enfants en haut de 13 ans, là, je pense que leur vie est finie ou qu'ils vont être endommagés mentalement pour le reste de leur jour. L'enfant de 2 ans, il est encore sauvable. Il va sûrement pas se rappeler de ce qui s'est passé dans cette maison-là. S'il tombe dans une bonne famille d'accueil, il est encore sauvable. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bref, tu peux pas vraiment aimer cette vidéo-là. J'espère vous en avoir appris plus sur le sujet. Peut-être qu'il y en a qui regardent pas les nouvelles puis qui connaissent pas ça. Ça se peut très bien. Donc, on se revoit mercredi pour un Chit Chalton. Et d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes, mais aussi, regardez donc vos voisins. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, s'il y a un voisin qui est louche, des fois, il y a des bonnes raisons pour ça. Over and out. A constant reminder where I can find her light that might give up the way is all that I'm asking for. Without her, I'm lost on my